this dude King Julian style. Salutations les murs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre 16e épisode sur Roots of Pasha. On voit que notre petit lapin est là, c'est le début de l'automne, donc il vient s'abriter ici. Vas-y, je vais jouer de la flûte rien que pour toi, là, histoire de te réveiller en musique. Va falloir qu'on aille apprivoiser d'autres animaux. Alors, il y avait un message juste au-dessus. Les couleurs sont charmantes. Je sais plus si c'est du riz fermenté que j'ai mis, là. Non, je veux rien retirer, les jeunes, barrez-vous. Je voulais juste consulter, mais bon, voilà. Donc là, on a mis un petit enclos et compagnie. Je sais pas si les animaux pourront rentrer et sortir comme ils le souhaitent. Alors, il n'y a pas de jonction, là. J'espère que ça va pas être pénalisant. Sinon, je ferai un tour de pierre complet. Hein. Je dégagerai mes clôtures en bois. Et je mettrai ça ailleurs. Autour du verger, ou j'en sais rien, près de la maison. J'aime bien les couleurs de la terre là par contre. Et là on voit nos... Je sais pas si c'est des cactus qui poussent. C'est quoi les jeunes? Faites péter mon... Non c'est pas ça que je veux. C'est mon sac de graines. Donc ouais là c'est les figues de Barbarie. Je peux potentiellement rien faire pousser d'autre. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai au bout? Ah ouais je crois que c'est mon composteur les jeunes. Est-ce que je mettrai pas ça par ici? Je sais pas si ça fait un peu loin. Après, je vais pas mettre ça à côté de la maison. Parce qu'avec les odeurs, ouais, je sais, je suis très RP. Peut-être pas mettre ça non plus près du champ. Ouais, je vais foutre ça là-haut. C'est isolé. Je vais le mettre dans le coin. Vu que là, pour le moment, je fais rien pousser et qu'il y a de l'espace. Inspecter. Pour le compost, récolte. Tous les types, machin. Ouais, par contre, je peux mettre des plumes. La farine, pour faire de la farine de plume. On peut mettre des cornes pour faire de la farine de corne. Et des os pour faire de la farine de poudre. Ils sont bizarres vos recettes. Des coquillages pour faire de la farine de poudre, machin. Des champignons pour faire du mico. Alors je sais pas ce que c'est. Attends, je peux mettre aussi ça, mais je vais éviter. Hein. C'est une ressource utilisable, les jeunes. Crottin de cheval, mais on n'a pas encore de cheval. Mais du fumier. Ok. Alors je vois pas comment je vais pouvoir mixer deux recettes si... Je peux en mettre qu'une. Hein. On va tester. Hein. Déjà je peux mettre du caca. Mais par contre, ouais, je suis intrigué par le truc des champignons. J'aurais bien voulu tester là. On va en prendre plusieurs. Je vais en prendre 8 pour commencer. Voilà. Après, je sais pas comment ça se dépose dans le truc. Je sais pas si en les ayant dans la barre de raccourci, je peux directement les mettre dedans. Ouais, remplir. Ah bah, je peux pas remplir plus. Ok. Inspecter. 8 heures, c'est tous les gènes. Compost de qualité si j'ai mis le crottin de cheval et du fumier ou des légumes. Mais bon, les récoltes, voilà. Par contre, moi, je veux bien tester les champis derrière, quitte à peut-être refaire un second bac. Ça m'évitera de mélanger des champis là où il y a eu du caca, parce que je sais pas du tout si le myco, ça va être une ressource utilisable pour autre chose ou quoi qu'est-ce. Je vais prendre des champignons rouges. Ils sont sûrement rentrés à l'intérieur. Et on va aller voir après pour les quêtes là. Alors, je sais pas si ça va être ici. Ou là. Est-ce que je les aurais pas mis dans le meuble? Alors, sachant que c'est chiant, c'est que c'est pas détecté. Et que là on a qu'un seul meuble. Ouais, je vais en prendre deux comme ça là. Deux. On va les déposer ici. Qui ne passe pas inaperçu et comestible la plupart du temps. Voilà, ça fait plus sa manie que tu mouches. Ceux-là, ils ont l'air quand même déjà plus comestibles. Ce champignon est tout à fait commun et tendre et non vénéneux. Ouais, heureusement. Par contre, celui-là, voilà quoi. C'est. À moins qu'on fasse comme notre cher Eivor sur Valhalla. Ça, je peux le récupérer, ramasser. Sarrasin sauvage fermenté. Ok,
Et donc, pour faire un bac à compost, composteur, ah bah, je crois que j'avais peut-être prévu le coup en ayant les ressources sur moi. Donc, ouais, si je dois le récupérer, je vais dégager mon sarrasin. Et on va se mettre ça ici. Donc maintenant, inspecter. Voilà, merci. Et là, je mets le deuxième et je vais avoir du mycorhize. Ok, donc faut déjà poser le premier. Et donc, si j'ai déjà le produit dans les mains, ça fout les deux directs. Là, il y en a par contre pour 16 heures. Alors, je sais pas du tout ce que ça va être, mais bon. Est-ce que c'est un type d'engrais? J'en sais rien. Par contre, ouais, c'est chiant parce que le compost, on va pas le faire rapidement à cette allure. Hein. Si c'est deux caca par deux caca, bon, les cornes et tout, j'en ai pas des masses. Donc, je vais pas me restreindre à utiliser ça comme ça, mais non, je veux pas tout prendre. Et je vais en prendre une petite vingtaine pour mettre des points là. Parce que je sais pas si je vais avoir des trucs à déposer d'ici ce soir. Donc bon, autant que j'offre ça. Après, je pourrais offrir des cacas sinon. Faut que je fasse gaffe qu'il y a. Ah non, mais t'es sérieux, rends-le-moi toi, je veux pas le mettre dedans. Ouais, mets-moi ça et. Et 8 bûches. Ok, donc là, on a dit qu'on irait ici. Donc Ada a une nouvelle idée. Ada veut essayer de faire pousser des herbes et des champignons. Voir sur la carte. Ah bah, elle est juste en dessous, les jeunes. Fermez-moi ça, on ira voir l'autre idée après. En voyant la pépinière Dick Rock, je me demande s'il serait possible de créer un outil similaire pour les herbes et les champignons. J'ai juste besoin de me pencher sur leurs conditions de croissance. Ok, donc il me faut un champignon et du bois dur. Bah, écoutez, on va aller chercher ça. Hein. Ah ouais, on peut voir ça plus tard. Et tant que j'y suis, si je dois ramener d'autres trucs, voilà. Reese pense qu'elle peut t'aider à irriguer les cultures en continu. Ça m'intéresse également. Et par contre, elle est barrée dans la forêt. Donc, bah écoutez, je vais déjà aller chercher mon bois dur et mes champignons. Et ensuite, j'irai m'éclater à aller en forêt pour le peu qu'elle revienne ici entre-temps. À moins qu'elle parte, je sais pas où, mais ce serait triste. Les cultures sauvages, aussi en bas à gauche de la maison. Donc là, les champignons. Pareil, hein, je vais en reprendre deux pourris comme ça, là. Et le bois dur, faut que j'aille le choper dehors. Par contre, je veux bien aller inspecter ça, là. Ouais, c'est mes citrouilles. Ok, je pensais que ça allait être une nouvelle découverte. Mais en fait, pas du tout. Ce serait bien qu'il se mette à pleuvoir aussi. Je sais pas si là, ouais, je peux récolter. Donc j'ai mes premiers pois chiches. Et là, je peux rien récolter du tout. Ok. Alors, par contre, je peux peut-être aussi changer mon outil. D'ailleurs, je dis ça, mais si j'oublie de prendre du bois dur, ça va être compliqué. Je sais plus combien il en fallait. Je vais en prendre, ouais, une trentaine. J'espère que ce sera suffisant. Je sais plus si c'était 28. J'espère que Madame Ada est toujours dans le coin. Là, on a quelques points. Il faudrait que je retrouve le lustre cru là pour aussi agrandir mon sac. Ce serait pas mal. Et Ada a disparu. Ce qui ne m'aide pas du tout. Et elle est barrée dans la maison. Si tu pouvais, quand je fais échappe, me fermer toutes les pages directement, ce serait fort aimable. Donc, ma petite Ada, avant que tu ailles faire dodo. L'idée. Donc là, ah non, c'était 10, c'était même pas 28. Ok. Merci, je vais me renseigner auprès d'Ignorc. Ok. Culture sauvage, on aurait pu aller le faire directement. Ada a commencé le travail. Et donc maintenant, avant que j'aille dans la forêt pour rien, elle est toujours paumée là-bas. Ok. Bah écoutez, je me rends sur place. Hein. Je me rends sur place et puis bon, on va aller lui causer. Ok, les jeunes, on arrive. On va récupérer des graines d'oignon. Alors, sachant que j'ai, en regardant ma petite route là, j'ai vu que c'était l'anniversaire de Ron.
Sur le calendrier, quand j'ai découvert qu'une de mes poteries fuyait, j'ai failli m'en débarrasser. Mais ensuite, je me suis demandé si cette fuite ne pourrait pas s'avérer utile pour arroser les plantes, par exemple. Malheureusement, mes jarres se vident trop vite pour le moment. J'ai besoin de matériaux pour bricoler mon prototype. Donc des graines, de la laine de tout type. J'en ai pas de la laine. J'en ai pas. À moins que j'aille voir les biquettes et que j'arrive à en récupérer une là. Elle est où celle qui kiffe la musique là? La biquette qui kiffe la musique. Il y en a pas un parmi eux qui kiffe. Après, j'en ai peut-être pas tam un seul. Je vais jouer du futur pour le petit. Hein. Ah, par contre, si tu pouvais réagir. Ouais, apprivoiser. Bon, on va voir plus haut s'il n'y a pas du bestiaire avec de la fourrure. Ouais, parce que ça se trouve, pour faire l'idée, faut que j'arrive à avoir du bestiaux à tondre. Bon, avec les chefs, je sais pas ce que ça va donner, mais bon. Après, j'ai peut-être pas tondu mon mammouth. Inspecter. Merde, je sais pas si c'est au même qu'à qui je joue de la musique là. Je voulais inspecter, mais bon, c'est pas grave. Après, si j'ai un couple. En même temps, j'ai pas regardé leur sexe, mais. Si j'ai un couple, ça peut être pas mal. Alors, je sais pas où inspecter là. Ok. Et celui-ci, s'il vous plaît. Oh putain, mais dégage avec ta flûte là. Putain, je vais inspecter le bestiau et. Ouais, inspecter là. Bon, bah, parfait, ça me fera un couple. On est d'accord que si je joue du futur. Ouais, il est au taquet et les autres non. Et l'autre là-bas, il le sera aussi. Je sais plus si c'est lui pour. On va parler d'une idée, non? Bah, on va parler d'une idée, ouais, c'est compliqué parce que. Tout type de racines. J'ai pas de racines sur moi, à moins que je ramène. C'est pas prêt, ok. Je pensais que ce serait encore plus que ce qu'on vient de ramasser. Faudrait que j'essaie tout type de graines. Hein, je sais pas si je vais avoir des trucs considérés comme des racines. Normalement, oui. Hein, parce qu'il y en a qui passaient. Alors, je sais même pas si. Plantes sauvages. Donc là, non. Plantes sauvages, machin, compagnie. Normalement, il y a des trucs là qui peuvent être considérés comme des. La famille des racines. Si je lui ramène ça avec ses herbes, peut-être qu'au final ça va le faire. Et je pensais que c'était auprès de lui que j'allais pouvoir améliorer mon sac, mais en fait pas du tout. Donc je sais pas qui c'est. Là c'est du sanglier, je vais pas tomber du sanglier les gènes. Puis le lapin, je vais pas. Je vois pas sur quel bestiau. Ouais, si, du lama. Faudrait que j'aille choper du lama, sinon je vais prendre le raccourci pour redescendre. Bon, déjà ça je peux les ramasser, je vais le prendre. Je sais pas si ça me servira à un moment ou à un autre. Et on va essayer d'aller tam un lama. Hein. S'il me faut de la laine. Il n'y a qu'eux qui pourront me fier. Par contre, faut que je trouve un moyen de leur couper la laine après derrière. Et ça, c'est pas gagné. Ouais, comme ça, j'aurais pris des graines de patates douces au passage. Ah, bah c'est parti. Ouais, dépêche. Ah, merci Bing. Donc maintenant, bah, direction la savane. Hein. Ok les jeunes. Il me semble que les lamas sont dans cette direction. Là, les buffles. Pareil, je suis pas sûr que. Bon, après, je peux entamer un pour voir. Mais bon, j'opte plus pour les lamas. Normalement, il me semble qu'ils sont par là. Hein. Peut-être que je dis des bêtises, mais. Et ça se trouve, il n'y a peut-être même pas de lama. Là, il y a les. Les félins. Ouais, si, les lamas, ils sont bien par là. Hein. Je suis pas en train de dérailler. Il y a bien des lamas.
Et c'est le seul truc qui me semble propice à la tonte. Parce que les chèvres, ça aurait été des moutons, je veux bien, mais les chèvres, c'est pas dit. Donc normalement, il y en a un à qui j'ai déjà joué de la musique. J'espère que je ne me plante pas. Hein. Non, vous déconnez ou quoi? C'est-à-dire que je vais devoir attendre, je sais pas combien de temps. Hein. Là, il y a un petit. Ok, il n'y en a pas un qui réagit. Ah, il me semblait que, mais bon. Vas-y, apprivoisez, hein. Enfin, je vais retourner voir juste au-dessus quand même. Ça fait un peu style musique péruvienne quand on les. Quand on les tame. J'ai loupé une note. Ouais, franchement, je sais pas si ça a un réel impact de louper une note ou d'en louper plusieurs, mais bon, louper plusieurs, peut-être que c'est un ratage complet. Vas-y, je joue du flutio là. Ok. Et ils m'ont pas pondu un petit caca dans le coin. Donc on va retourner par ici pour voir. Lui, on voit même pas ce qu'il raconte. Ok. Ça serait peut-être bien de les afficher, les points d'interrogation. Genre si je peux pas rejouer du flutio directement à l'autre là. Ah, j'ai déjà joué de la musique. Ok. Ah, écoutez, c'est parti. Je vais en faire autant avec un bison là. Comme ça, ce sera fait. Hein. Avant que la nuit ne tombe. Ok, les jeunes. Il y a des petits caca. Je crois que là, il y a du bison. Et il n'y en a aucun à qui j'ai déjà joué de la musique. On va quand même vérifier avec l'autre là. On sait bien ça. Ah bah vu que toi t'es debout. J'ai joué de la musique hein. Après, il faudra que j'essaie d'avoir des couples. On fait limite orientale la musique là. Particulier pour des bisons. Ok, bah écoutez, on va laisser faire dodo et on leur jouera de la musique demain matin. Hein. Ça, j'aurai un maximum d'animaux à la maison. Ok, les jeunes, c'était l'anniversaire de Ron. Je sais pas s'il va être en train de pioncer ou l'y cacher. Moi, ouais, je crois que c'est c'est notre bûcheron, enfin ouais, charpentier, bûcheron, maçon. Parce qu'il est déjà en train de pioncer. Non, c'est pas. Il est pas là, hein. Je sais pas où il crèche. Oh, je sais pas où il crèche. Ouais, voir sur la carte. Ok, il est dans la maison d'à côté, dégage. Je sais pas s'il est en train de pioncer ou pas. On peut rentrer chez les gens comme as. Peut-être éviter de jouer de la flûte. Bon, c'est rien que je lui fasse un cadeau maintenant. Son anniversaire, c'est mort, c'est mort. Hein. Malheureusement, on est rentré trop tard. Donc, moi, je vais pioncer. Et puis, bah, tant pis. Hein. J'espère que je vais pas perdre mes plantes parce que je les ai pas arrosées. Est-ce que je peux jouer de la flûte pour mes plantes? Si j'en joue de la musique, elles seront contentes. Voilà, parfait. Y a rien à cueillir, entre-temps, rien à pousser, ok. Bah écoutez, Todo, il faut que je cherche des racines après. Ouais, je veux dormir. Ok, coin de pêche. Ah, ce sera peut-être...
Une upgrade. Et là, on peut enfin poser des... des fish traps, ce qui serait pas mal. Nos vies au jour le jour. Ouvrir le journal pour en savoir plus. Ok, merci de me mettre en avant. Donc là, j'ai mon vin sauvage. Donc là, normalement, on va se transformer, ça risque pas. Frère bricole machin. Ok. Plante sauvage machin. Plante sauvage céréales. Après, pour le peu que la mienne cueillette herbe, algues. Herbe. Déconner. Après, la lavande anti-puce, je pourrais peut-être foutre ça avec le médical dehors, mais bon. Graines, plantes sauvages, graines, acai. Pourquoi j'ai du chou aussi dans l'autre coffre. Donc là, ça considère ça comme des racines, mais je suis pas sûr qu'ils les acceptent. Hein. Produits arboricoles. Bon, la viande, voilà quoi. C'est. Racine aussi, hein. Après, si ça passe pas, c'est qu'il faut que je les fasse pousser moi-même pour que ce soit l'étage juste de racines. Mais là, c'est considéré comme des racines, les jeunes. Donc, bon, si je prends ça et des herbes, normalement, ça devrait peut-être passer, hein. Je sais même plus quel type d'idée c'était à son machin. Donc là, j'ai un petit lot, je vais le prendre. Et là, je peux rien cueillir pour le moment. Donc tout ça, c'est prêt là. On ira choper du compost derrière. Ça n'a pas eu d'eau hier, donc bon. Commencer un peu à arroser quand même. Mon seau, il est vide. Faut que je remette un puits aussi en bas. Ok, merci. Ok, bon, j'ai fini de tout arroser. Faut que j'aille voir les casse-pieds de service là. Don. Oka. Il est juste à côté avec sa crinière. Bon, je sais pas si ce que j'ai sur moi, franchement, ça va passer, hein. Ah, punaise, ça passe. Donc là, il se trouve, il va me prendre 3 gousses d'ail et une patate douce, ou voilà. Donc Oka veut faire des essais pour voir si nous pourrions monter sur le dos des animaux. Et là, peut-être avoir des dadas potentiellement, où je puisse trotter sur le dos de mon éléphant. Donc on peut enfin lancer la recherche. Pour chevaucher un animal, il faudra d'abord gagner sa confiance et le mettre à l'aise. Je vais voir ce que je peux faire, ce matériau devrait m'aider. Oka a commencé à travailler sur cette idée. Ouais, dégage. Faut que je passe à l'idée suivante maintenant. Donc là, il y a Jean Machin et compagnie. Et Jerry's a développé son idée, mais voir l'idée. Tout type de laine. Et pour le... attendez, je sais pas si j'ai des touffes de fourrure. Voir l'idée. Recherche en cours. Donc ça, c'est fait. Et ben, j'aurai quoi d'autre alors? Développer machin, des graines de tournesol, enfin du tournesol surtout, que j'ai pas encore. Tu ne trouveras jamais un meilleur poisson séché. Ok, petit cadeau, je peux le prendre. Jean a besoin d'aide pour mettre en place un suivi des jours qui passent. Voir l'idée. Non, c'est surtout lui que je voulais voir. Putain, dans la forêt, ça m'aurait pas étonné. Tout à l'heure, il y était. Donc c'est Jean. Au-dessus c'est Oka qui a son idée en cours. Ok. Développer l'idée de Riz. Je sais pas si j'ai des trucs qui peuvent faire office de laine dans mes coffres. Alors déjà je peux ramasser mon compost. Progression de la pyramide. Une nouvelle prophétie est prête à être sculptée. Ah bah écoute, on va y aller, hein. Alors ça, je sais pas du tout. Ce végétal permet à une culture de survivre hors saison pour une toute dernière récolte. Et ça se met comment? Genre je le prends et...
Ouais, ça se trouve, à ce moment-là, l'automne vient de commencer, alors. Attendez. Ne dites pas que je viens de l'utiliser. Il est passé où mon caca, là? Il est passé où mon micro, les jeunes? Vous déconnez ou quoi? Ah, le micro, faut que j'en produise, donc moi, je vais prendre ça, déjà. Et pour le reste, je suis dégoûté. Et je sais pas si j'ai... J'essaie de changer de clic et tout machin, mais je pense pas avoir mis les 4 sur un seul. J'espère que ça m'a pas fait qu'un seul tas. Donc, a priori, il m'a tapé les 3 gousses d'ail. Putain, j'aurais dû switch. C'est-à-dire que j'ai plus d'ail du tout. Normalement, j'ai des tournesols qui poussent quelque part. Non, là, c'est du maïs. Là, c'est des citrouilles. Ah, et les tournesols, ils sont là. Donc ça va pas tarder à arriver, on va pouvoir compléter ça. Lui s'est mis une touffe une touffe dans les yeux. L'automne, mes citrouilles elles sont en haut. Bah des graines d'oignon les jeunes. Ah du fenouil et des choux. Je crois pas en avoir fait pousser hein. Si vous fermez la roue, ça m'aiderait. Donc piment, sarrasin et figue de Barbarie. Mais là, j'ai plus de place. Patate douce. Pois chiche. Pois chiche, ok. Patate douce. On va dégager. Excellent! Or donc, il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts! Allez, allez, il me faut une personne, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour. Qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil, un authentique héros. Vite, avant de retrouver l'usage de notre cerveau.